Mesdames, bonsoir. Je suis Christale Bouvier-Montgomery et bienvenue à Au Secours, vous êtes laide. Une émission pendant laquelle je tenterai de redonner une apparence humaine à des erreurs de la nature telles que vous. Accueillons d'abord ma co-animatrice, Brenda Montgomery. Il devrait y avoir un thème musical pour que j'entre dans son nom. Non, il n'y a pas de musique. Ah oh ben ça c'est gênant. Mais c'est pas grave, je vais quand même faire mon entrée dansée. Alors imaginez une musique world beat, euro trash, sexy, enfin très techno, très audacieuse. Voilà, on y va, 3, 4. New York, la pluie. Casquette à l'envers. Graffiti pour tous mes amis. Pas de bourré. Shuffle. Bob Fosse, moi j'ai le pouvoir. Bon, ce serait mieux avec de la musique, mais je pense que l'effet est quand même, tout de même assez réussi. Je m'assois et on enchaîne. Aujourd'hui, Brenda et moi transformerons une pauvre désœuvrée ravagée par une vie de débauche et d'excès en une pauvre désœuvrée ravagée par une vie de débauche et d'excès avec du rouge à lèvres. Accueillons Madge. Pas d'applaudissements. Bonsoir. Madge, nous allons parler lentement car nous savons que vous avez de la difficulté avec le langage des humains. Je vais maintenant établir un contact physique avec la chose dans le but de montrer que nous sommes toutes égales. Madge, pourquoi vous êtes laide? Mais je ne suis pas laide. Oh non, croyez-moi, vous êtes très très laide, Madge. À preuve, vous tapez un 10 au laidronomètre. Tenez ça. Mais ce n'est pas une vraie machine, c'est un carton. Laide et menteuse. Revenez-nous après la pause, alors que nous continuerons de la juger. Ça va très bien. Très bien. Nous sommes de retour à Au Secours, vous êtes laide. Pendant la pause, Madge nous a avoué qu'elle a toujours rêvé d'être une princesse dans un bal. Ne faisons pas de miracle. Alors voici une boîte de bâtonnets de poissons congelés. C'est presque pareil. Passons maintenant à la partie de notre émission que nous appelons « Faisons pleurer la laide ». Oui, alors à ce point-ci, Madge va nous raconter un souvenir et elle va se mettre à pleurer pendant qu'on la regarde. Madge. Oh, mais je ne sais pas quoi dire. Ouch! Elle pleure. C'est touchant. Parlez-nous maintenant de vos hobbies de laide. Mais je ne suis pas laide. Non, vous n'êtes pas laide. Vous êtes ce qu'on appelle une déficiente esthétique, où vous êtes amputée de beauté, ou, dans un langage de marketing, ce qu'on appelle une jolie extra light. Mère. Non, elle est laide. Oui. Mais il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, pas pour vous précisément, mais pour l'humanité en général, il y a de l'espoir pour vivre enfin dans un monde sans guerre et sans famine. Et ça, c'est quelque chose. Bon, alors, mettons-lui du rouge à lèvres et finissons-en. Oui, parce que c'est long. Oui. Mais ça va très bien, très très bien, très bien. De retour à Au Secours, vous êtes laide. Pendant la pause, nous avons reçu quelques courriels nous demandant pourquoi nous étions si méchantes avec Madge. Ma réponse, on s'en fout de vos courriels. Oui, on s'en... Pourquoi te prendre... Quand tu... Pourquoi prendre... On enchaîne. Passons maintenant au dévoilement de la nouvelle Madge. Brenda? Eh bien oui, mère, je vous entends bien, je suis en direct à côté de vous, alors l'attention est palpable car nous allons enfin dévoiler au monde la nouvelle Madge. Et rappelons qu'après quelques secondes passées à lui appliquer du rouge à lèvres, nous allons enfin découvrir cette créature cette créature. Alors attention, dans 3, 2, 1, dévoilement! Vision surprenante d'une beauté précédemment invisible qui maintenant est exposée au monde. Allons à la pause car je ne sais plus quoi chanter. Franchement, la transformation n'est pas si impressionnante que ça. C'est presque un flash.